arrive à débourser 500 000 francs par arbre sauvé. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Salvador Dali, c'est à toi de jouer. D'abord, je vais vous dire une chose. On raconte que je suis mort. Ouais. On raconte. Racontar. Tel le phénix renaissant de ses cendres incandescentes des hymnes, Salvador Dali est revenu sur Terre pour salver la peinture moderne d'un crétinisme galopant. Dis-moi, l'info ou l'intox? Infotox. Infotox. Je vais dire dans ma générosité verte que c'est de l'info. Bon. Et toi, Vincent? Intox. Intox. C'est cher pour un homme. C'est cher. Toi, tu m'as dit info, hein? Oui, mais j'ai pas bien compris le prix. C'est cher, quand même. Je dirais intox, oui. Eh bien, on va voir. On écoute l'expert, Philippe Guérin. Eh bien, moi, je dis que Dali, il a raison, parce que c'est de l'info. Bravo, triomphe pour Philippe Guérin. Triomphe. Alors, est-ce que tu as un commentaire, mon filou? Donc, c'est de l'info, mais entendons-nous bien. Il s'agit de 500 000 francs de manque à gagner pour la ville de Paris par arbre sauvé. Cette info est sortie quelques jours avant les élections régionales. De là à penser que la mairie de Paris a accepté de perdre 500 000 francs pour récupérer quelques bulletins de vote d'écologistes, il y a un pas que je me refuse à franchir. D'autant plus que les bulletins de vote étaient en papier recyclé. Philippe Guérin, l'expert. Alors Laurent, le score. Thierry, je t'avais prévenu, je t'avais dit de ne prends pas ton père pour faire Dali, il va en faire des kilos. T'es bien dans la merde maintenant. Papa. Quoi qu'il en soit, ton père qui a pété les plombs marque un point. Bravo Salvador. Genre, je suis désolé. Et alors? Mais parce que tu as perdu. Ah bon? C'est grave? Non, c'est pas grave, c'est pour toi non. Que c'est grave. Nous, il y a un gage, je dois faire quelque chose. Je suis rien inquiet, du tout. Là. Non, on va te saluer, on va te dire au revoir. En gros, il faut que tu te casses maintenant. Ah, d'accord. C'est ce qu'il essaye de te dire. Ah bon? Ouais, j'étais bien là. Tu veux rester? On applaudit Georges Bonastier.